Le tournage de la série Gasly, qui doit évoquer le scandale du Watergate, est en pause. La raison, le départ de son acteur principal, Sean Penn. Alors qu'il devait encore y avoir plusieurs semaines de tournage, l'acteur américain a assuré ne plus pouvoir travailler dans ces conditions et a donc posé un ultimatum aux autres équipes de la série. Comme le rapporte Deadline, il a affirmé que son retour sur le plateau de tournage ne pourra avoir lieu si et seulement si tous les membres de l'équipe étaient vaccinés contre la Covid-19. Pour l'heure, la série réalisée par Matt Ross, avec également Julia Roberts, est en suspens. Actuellement, seuls les employés de la zone A, à savoir les acteurs et les membres de l'équipe qui travaillent à proximité, ont dans l'obligation d'être vaccinés. Si ESPN Big Universal, le studio qui produit Gasly qui a exigé cette condition. Mais il semblerait que pour Sean Penn, ce ne soit pas suffisant. Le célèbre acteur estime que la propagation du variant Delta est trop importante pour prendre le moins risque. Ainsi, Sean Penn, qui incarne John Mitchell, le procureur général des États-Unis, souhaite que tous les employés reçoivent le vaccin. Pour ce faire, il a même été encore plus loin, puisqu'il a proposé de prendre en charge les frais de vaccination par l'intermédiaire de son organisation à but non lucratif Core, Community Organized Relief Effort. Sean Penn est le premier grand acteur à demander de telles conditions de tournage. S'il impose aujourd'hui cette condition pour tourner dans cette série, elle risque d'être la même pour tous les prochains projets qu'il se verra proposer. Il est le premier acteur mondialement connu à demander ouvertement un renforcement des mesures sanitaires sur les plateaux de tournage. Seulement, toujours de long Deadline, NBC Universal n'aurait pas la capacité juridique d'imposer un plus grand nombre de vaccins sur le tournage, sauf si le studio parvient à modifier l'accord conclu avec les syndicats.